Eh bien, re-saluez-vous. C'est toujours moi, c'est toujours Papy XVSK. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la fin. Oui, je vais décider, ça sera la fin, aujourd'hui. De Outlast. Alors, on était laissé ici, après que notre ami ait fini en kebab haché menu. On va l'appeler le kebab catholique. Pendant que nos deux amis, au gros zizi, tout à l'heure. Nous ouvrait la porte et ne semble plus vouloir nous tuer, apparemment. Donc maintenant, on doit retourner à l'ascenseur. Alors je me pose une question déjà. Comment je retourne à l'ascenseur? Tout est fermé. Donc, on a vu jouer à gauche. Tu as le conduit? Hop, oh, bien, ouais. Bon ben, on respecte que le gros ne soit plus là. Déjà, c'est sympa. Oh fuck. Il est là. Chier. Ah ben, le gros est là. C'est super. Est-ce que je peux me cacher dans la cheminée? Donc il est en train de défoncer toutes les portes, cet enculé. Qu'est-ce qu'il va me voir ici? Qu'est-ce qu'il fait? Il a plus trop l'air de vouloir venir. Bon, comment est-ce qu'on va faire alors? Parce que là, à mon avis, il est en train d'ouvrir toutes les portes pour voir où est-ce que je suis. Et comme un con, j'ai noobé parce que je suis allé à la porte bien au fond. Donc, résultat pour la planque, c'est pas idéal. Donc, on va attendre qu'il se ramène. Allez, ramène-toi, grouille-toi. Ah, je m'en fous, j'attendrai jusqu'à ce qu'il vienne. Hein. Allez, plus vite ma grosse. Bon. De toute façon, si j'ai bien compris, ce que je fais, c'est que je ressors de la porte, je vais tout droit, je prends la prochaine à droite. Ça devrait être bon. Mais il est où là? Bon. Oh merde. Se rapproche. J'espère que dans la cheminée on est bien planqué. Allez, grouille-toi. Pas que ça à foutre là. J'aimerais bien terminer le jeu. T'as vu, il va faire toutes les portes ou quoi? Allez. Ouais, il va faire toutes les portes. Alors j'espère que la cheminée était même une bonne planque, parce que sinon je vais avoir l'air con. Allez. Je sais que t'es là, tu m'auras pas. Putain, mais il en met du temps. Bon, tant pis, il va falloir bouger. Viens la grosse, viens! Oui, défonce la porte là, vas-y, vas-y! Nickel! Oh fuck, il m'a vu! Salut! Quel côté! Je sais pas où je vais, mais j'y vais!
Voilà. Je te brain. J'ai le cœur qui bat un peu à chamal là. Voilà, on y est. Salut, je m'en vais. Allez, on peut aller à la sortie là. Ouais. Hein? On va où là? C'était pas prévu au programme ça. Excusez-moi. Où est-ce qu'on vole? Ah. C'est quoi ça? Ok. Bon ben, ça je crois que c'était pas prévu au programme. Pour le coup, je serais bien. Frankenstein ou le Prométhée moderne de Marie. Monsieur, m'écrirai-je, en dépit de l'orgueil de votre savoir, comme vous êtes ignorant, assez, vous ne savez pas ce que vous dites, furieux et troublé, je me séparais du magistrat, et me retirerai aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action. Putain. Oh. C'est pas là que les gars se sont fait attaquer par hasard? Pourquoi est-ce qu'on va tomber là? C'est très arctique. C'est très gelé, très surgelé. Sûrement le campement caché de Fishtick Captain Igloo. Coup sûr, c'est un coup du Wall Rider, ça. Bon. Faut avoir l'estomac bien accroché, mine de rien, dans le jeu. Est-ce que je dois aller Ah, une sortie. Du coup, je suis bien tenté d'aller là-bas pour voir. Du coup, je regrette un peu. Delivery exit. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai activé? Oh putain! Barrer d'ici. Try to explain.
I know, I know. I am supposed to be dead. No, no such luck. I am older than sin, but somehow the only one left because of Billy. He takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me, the poor idiot. Do you know what this symbol represents? It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Murkoff discovered in my research a workaround. Turning the cells and human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Mais qui est Billy? Et lui, le laboratoire principal? Il se trouve, faut juste que je retourne en arrière. Mais... Ouais, on m'a dit qu'il faut retourner en arrière. Mais dans le doute, je vais quand même aller voir. Non, ça sert à rien. On va penser que la porte au fond doit être fermée, donc ça sert à rien. Bon, au moins, il a tué le gros, le spectre, donc c'est pas mal. On va dire que je me sens un peu mieux, un peu soulagé quand même. Bon, laboratoire principal. Faut que j'apprenne l'ascenseur ou quoi? Non, alors moi j'étais bon. Hein. Ça sert à rien de revenir en arrière. Peut-être con, mais bon. Ah bah oui, ça sert à rien de revenir en arrière. Donc ma première idée était bonne, bah je suis débile. Ok. I am a big débile, big débile, big débile. Ah là 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 là. Quelle idée j'ai eue aussi de m'embarquer là-dedans. En tant que éminent journaliste de la confrérie. Ah. Bonjour monsieur. Lui était sûrement en train de se changer quand il s'était... Ok... Bonjour monsieur... Fait que passer, je fais qu'inspecter tout ça... Ah d'accord, il y a une jambe là, c'est cool... Par contre c'est avec les règles d'abandon donc... On a juste vu des tripes... Et encore des tripes... Je suis dans le bloc B... Là, je pense que c'est un cafétéria. Je peux rentrer. Ouais, je peux. Y'a rien ici? Non, y'a rien. Je suis en train de me paumer là. Donc, c'était la sortie ici. Qu'est-ce qu'il me veut? Ah d'accord, il veut me tuer! Ah bah c'est cool parce qu'il va m'avoir là! Eh merde, il m'a vu! Ok, bon! Comment est-ce qu'on va faire ça?
y a rien ici. Billy! Petit! Où es-tu? Pas sûr que ce soit un bon endroit pour aller. Allez, Courex, tu peux le faire. C'est parce qu'il est là que tu dois avoir peur. Si je ferme la porte, peut-être qu'il viendra pas. Ce serait trop bien d'espérer. Parce que je l'entends là. Oh merde! J'ai légèrement de me renfermer avec lui là. Faut que j'aille où? J'ai fait quoi là? Oh merde, il est là. Salut. Putain, mais faut que j'aille où? Putain, c'est chiant ça. Il est où ce con? Il est derrière moi. C'est pas grave. On va juste tourner. Oh merde, il est juste derrière! Ah bah oui, c'est fermé, bien sûr. Faut que j'appuie où? Ça fait rien, ça! Faut que j'appuie sur quoi? C'est pas grave avec ça. Tourne en rond. Fais en sorte qu'il ne te rattrape pas. Ça, tu récupères ta vie. Non, casse-toi. Vas-y. Bon, cherche.
Alors c'est pas possible d'avoir un truc là, c'est où? Bon, toujours derrière moi là. Bon, je vais bien tourner en rond, mais si je sais pas par où faut le faire, ça va être mort quoi. Bon, puis dessus ça fait rien, bon. Ah, c'est quoi l'objectif encore? Couper l'alimentation électrique du groupe électrogène du labo souterrain. Ouais, bah il est où le groupe électrogène du labo souterrain déjà? C'est bien beau de me dire ça, mais si je sais même pas où il est... Super, je me suis auto-brain. Ça se trouve, faut peut-être que je retourne là-bas. Que c'était ici. C'est pas grave, on a mis un peu de répit. Un peu de répit façon de parler. Parce que ce con doit encore être là, à mon avis. Ouais, il est juste en bas là. On va avoir l'air bien con là. Faut pas savoir par où faut passer. Je sais pas ce que si je saute ici, je suis mort. Ouais, je suis mort. Salut! Voilà, la porte là elle est fermée. La question c'est où est ce putain de groupe électrogène? Si on me laisse même pas le temps de savoir où c'est, je vais avoir du mal. Putain, il est où ce groupe électrogène de merde? Ça marche pas quand j'appuie dessus. Merde, il va m'avoir là, il va encore m'avoir ce con. C'est pas possible, il doit être en haut. J'ai zappé un truc en haut là, c'est pas possible. Gratte-toi la tête. Salut. Désolé, je suis pas trop pour les câlins moi. Ah, mais je vois une porte en haut, j'avais peut-être pas vu ça. Bon, Ex, tu es un aveugle. C'est ce qu'on va te dire, mais tu es un aveugle. Un escalier, vite. Bon, ça va, c'est une course-poursuite, à mon avis, quand on connaît bien le chemin, ça doit pas être très difficile. Même cet enculé est quand même chiant, parce qu'il faut deux fois que tu meurs. Au moins, c'est pas un, quoi, c'est déjà pas mal. T'as combien d'échelles de marches d'escalier à monter là? Oh! Pourquoi je pense que t'es pas ici? Voilà. Non, maintenant il va me foutre la paix un peu. Ce que je trouve, c'est qu'on est un PC, encore un dossier confidentiel. Une petite pile pour le fun. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Bon, on va retourner en arrière. Je sais pas qu'il va apparaître ici. Bon. Il est pas là. Quoi? Vite, on sprint.
pas grave, cours, 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 Rex, cours, cours. C'est pas parce qu'il a fait un petit bruit que ça y est, c'est la mort. De toute façon, tu as vu sur quel bouton il fallait appuyer ici. Faut que tu te souviennes où il est. Il est là. Miller est mort. Drôle de fin quand même, mine de rien. T'as presque une petite larme à l'œil pour lui. Le pauvre petit, il est venu et il n'en sortira pas, malheureusement pour lui. Tout ce qu'il avait à faire, c'était aller à la sortie et finalement c'est lui qui est devenu l'autre. L'hôte du Wall Rider. Je pense pas que cette fin soit réellement possible à éviter. Enfin, du style, il y aurait une true ending, je ne pense pas qu'il y en ait une. Je trouve que le jeu se finit magnifiquement bien d'ailleurs. Ce qui pourrait laisser croire à un Outlast 2, hein, on sait jamais. Vu que notre journaliste favori est devenu l'hôte de Billy, résultat, ça fait que c'est nous qui devenons l'ennemi, quoi. Étrange, étrange, hein, comme fin d'histoire. Bref, bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu? Tant qu'on y est, ce serait peut-être bien de dire quelque chose sur le jeu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé excellent. Je suis pas un fan des jeux d'horreur, mais je trouve que le jeu était vraiment excellent. Même si je m'en excuse, hein, je sais que mon visage n'est pas du genre à faire ressortir l'angoisse, le stress et la peur. Sauf à quelques rares reprises, mais encore... C'est malheureusement pas trop le cas. C'est vrai que je suis quelqu'un de nature qui est très très calme et posé, c'est ça qui joue aussi, j'ai l'impression. Donc je m'excuse de ne pas vous avoir permis de ressentir la peur,
Si je devais vous donner un conseil, allez voir plutôt le... Enfin, c'est un peu con de dire ça à la fin, mais... Allez voir celle de Para sur la Nocturnal Bird. Lui, apparemment, il se chie vraiment dessus, alors que moi... Bah, quasi du début à la fin, ça n'a quasiment pas été le cas. J'avoue quand même que dans le jeu, il y a vraiment une bonne ambiance, un bon travail sonore. Mon petit regret, peut-être, c'est peut-être la diversité des ennemis. Je trouve qu'ils se ressemblent tous. Et... il n'y a pas réellement la pression... Par exemple, pour le gros, j'aurais préféré. Ça aurait été plus sympa, je trouve, s'il pouvait nous tuer en un coup, en gros. Pas que, hop, il te met une claque. Et la deuxième, bah, quick par le coup, vas-y, je t'arrache le bras et je t'esquinte la nuque. Il y avait que les deux hommes tout nus, hein, avec la grosse biroute qui pendait, qui pouvaient nous tuer en un coup. Mais malheureusement, vous avez vu qu'on les rencontre pas souvent, on les rencontre qu'à deux reprises, et il y a qu'à deux reprises où ils peuvent vous tuer. Dans ma partie 2, c'est-à-dire au passage où est-ce que on est dans le noir, il y en a un qui est droit devant vous, et le seul moyen de passer, c'est de passer par la droite, par la petite fenêtre ouverte. Parce que j'ai vu sur cette vidéo que, en fait, si je m'étais arrêté là... Enfin non, qu'est-ce que je raconte. Ben, je savais très bien que si je m'arrêtais là, forcément le deuxième allait venir dans mon dos et me planter, parce que comme je vous l'ai dit, ce passage-là, je l'avais vu, PewDiePie avait fait une vidéo dessus, c'est le seul passage que j'ai vu du jeu. Sinon, ben voilà, ben... Attendez, écran noir, voilà, plus rien. Donc voilà, c'est le seul passage, enfin, jusqu'à l'explosion, où est-ce qu'on tombe dans l'espèce de prison, là, enfin, avec tous les morceaux de membres et quel gros. J'avais juste vu ce passage. Avant, hein, pas passage tombe année avec le gros tout dans le noir. Non, bien avant, juste au moment de l'explosion, c'est tout ce que j'ai vu. Et donc, ben voilà, je trouve que... Peut-être que le gros aurait mérité à être plus dangereux que ce qu'il ne l'était. Le docteur était bien flippant, j'avouerai aussi. Surtout le fait de se retrouver dans un couloir avec lui, c'était pas super super. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un bon jeu d'ambiance, ça va vous faire flipper, hein, c'est clair et net, hein, si vous y jouez et que... Enfin, je vous conseillerais d'y jouer, clairement, hein, si vous voulez vraiment vous faire une bonne peur. Je trouve vraiment qu'il est bien. Je l'ai même préféré à Amnesia. Mais ça, c'est qu'un parti personnel, hein, c'est qu'une opinion personnelle. Si vous avez préféré Amnesia, bien vous en face, mais moi j'avoue que Outlast m'a plus caressé dans le sens du poil que Amnesia. Et donc, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? En plus, il coûte pas cher, et je crois qu'il sortira sur PS4. Je sais qu'il avait été annoncé sur PS4, si je dis pas de bêtises. Bah, tant mieux, hein, comme ça les joueurs console pourront y jouer, même s'il ne faut pas un PC puissant, hein, pour le faire tourner, hein, Outlast, faut pas croire. Vu que c'est le Unreal Engine 3, et que le Unreal Engine 3, il est un peu à la ramasse, hein, maintenant, autant le dire tout de suite. Hein. C'est un moteur, c'est très simple de développer dessus, mais il faut pas un PC super puissant pour pouvoir le faire tourner ce qui tourne sur le Unreal Engine 3. Donc voilà. Bref, vous aurez droit à votre Outlast, que ce soit sur PC ou sur console, ça c'est clair et net. La durée de vie est bien. Je me suis dit que je le finirais peut-être en 2 heures, parce que on m'attribue souvent l'étiquette du rusher, mais ça n'a pas été le cas. J'ai pris mon temps, je suis allé doucement. J'ai pas commencé à rusher partout comme un débile. Et donc, ben voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Il coûte pas cher, hein, une histoire de 15-20 euros en tout genre. Donc voilà, si vous voulez vous faire une bonne peur dessus, achetez-le, hein, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et je m'excuse encore, hein, pour ne pas avoir été très expressif. Hein. Moi, les jeux qui me font. C'est plus les jeux à rage. Genre 4 Mario ou alors Unfair Mario, ça c'est des jeux où je m'énerve très vite, donc je montre très vite que je suis énervé. Ça par contre, l'énervement, ça je sais le montrer bizarrement. Par contre la peur, j'avoue que j'ai du mal à montrer. Comme je l'ai dit, je suis de nature très calme, donc ça aide pas beaucoup pour pouvoir faire sortir l'émotion. Donc si vous voulez sortir l'émotion, au lieu de dire c'est nul et que ça fait pas stresser, et bah achetez-le tout simplement. Moi je suis un playthrougger, hein, je suis là pour vous faire partager le jeu, vous donner peut-être l'envie d'y jouer par vous-même, c'est ça le plus important. Et me dites pas que la scène pirate sur Skid Row n'est pas... J'ai envie de dire, même si vous ne voulez pas l'acheter, piratez-le, hein, si vous voulez, hein, c'est pas le problème. Donc voilà, vous avez toutes les raisons du monde de pouvoir y jouer si vous vraiment voulez vous faire une grosse peur. Donc ben voilà, ben, c'était mon premier playthrough sur un jeu d'horreur. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous a plu, parce que moi, ça, j'avoue que j'ai aimé ce jeu. Je suis pas sûr que j'en ferai d'autres, hein, personnellement, je suis pas fan des jeux d'horreur. Enfin, du moins, pas fan des jeux d'horreur parce qu'on n'a pas d'armes.
D'ailleurs, The Evil Within me fait un peu plus envie, parce que je sais que vu qu'on va jouer un espèce aussi d'enquêteur, blablabla, sauf que lui, c'est un policier, il a des armes et tout, il pourra se défendre. Et que là, on a quasiment aucun moyen de se défendre. D'ailleurs, peut-être petit point noir, j'ai envie de dire, un journaliste qui sait pas prendre une chaise pour taper sur quelqu'un, voilà, je suis désolé. Il aurait quand même pu avoir quelques moyens de se défendre, même si c'était pas létal, ne serait-ce que, je sais pas, sonner le gros ou sonner le docteur, ce genre de choses, genre pendant 5-6 secondes, pas plus, mais ça aurait été sympa, parce que sinon, le problème c'est que l'interactivité, les énigmes ne sont pas le point fort du jeu, on va dire. Mais franchement, c'est une bonne expérience. Je vous le conseille à tous si vous voulez vous faire peur. Et donc voilà, en ce qui concerne la vraie fin, ben moi personnellement je pense qu'il n'y en a pas, hein. Autant le dire tout de suite, je pense que de vraie fin il n'y en a pas, je pense que la vraie fin c'est celle qu'on a vue là, quand il se fait posséder et qu'il a l'air d'avoir massacré tout le monde. J'espère qu'il y aura une suite, s'il y aura une suite je vous le ferai, je vous le promets. Mais bon voilà, allez sur ce, on va cesser ici mes loulous, j'espère que voilà, ce playthrough vous aura plu, et comme d'habitude, je vais faire ma petite phrase de fin. Prochain à vous, François Cadrol, n'oubliez pas d'avoir là. Attitude, comme d'habitude, j'ai trouvé pas aucune. Vous connaissez la chanson, c'est le dicton. Je ne fais pas pour tout partout. Je vous dis à la prochaine pour nouvelles et folles aventures sur je ne sais pas quoi, parce que malheureusement, je ne sais pas à quoi jouer en ce moment. Bon, allez, je trouverai bien quelque chose de toute façon. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye et peace.